Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous présente Réveille pas papa. Jeu en famille de la marque Goliath, Réveille pas papa est adapté pour les enfants à partir de 5 ans. Le but du jeu est d'essayer d'atteindre le succulent gâteau au chocolat qui se trouve dans le réfrigérateur et bien sûr sans réveiller papa. La discrétion sera donc de mise afin de contourner les obstacles qui se dresseront sur le chemin des joueurs. Le coffret est composé d'un plateau de jeu avec des cases représentant une action en particulier. L'emplacement pour le lit de papa et le fameux réfrigérateur renfermant le gâteau. À notre disposition également 4 personnages, une flèche et un support ainsi que 16 cartes. Chacune de ces cartes correspond à une case du jeu. Deux piles AA sont nécessaires pour entendre les ronflements du papa. À noter que le système de réveil peut également fonctionner sans l'ajout de piles. Il faut déplacer le curseur sur ON pour écouter papa ronfler et débuter la partie. Nous commençons par placer le lit avec papa en position couchée sur le plateau de jeu. Les cartes doivent être distribuées en nombre égal à chaque joueur et être placées face visible devant lui. Chacun choisit ensuite un pion de couleur qu'il place sur les chaussons correspondants. Le premier joueur lance la roue et effectue l'action demandée. S'il tombe sur une case couleur, il doit avancer jusqu'à la première case libre de la couleur correspondante. Rouge, donc tu vas ici. Non, mais avec ton jeton, c'est le vert, je te tiens. Si elle est déjà occupée, il faut continuer à avancer. Si le joueur possède le dessin où il est tombé parmi l'une de ses cartes, il est protégé. Sinon, il doit appuyer sur le réveil de papa autant de fois qu'indiqué par le chiffre de l'image. 1, 2, 3. C'est à qui me tourne ? Attends-toi. Si papa ne se réveille pas, la partie continue normalement. Mais s'il se réveille, il faut tout recommencer depuis le début. Dans ce cas-là, il faut prendre la carte correspondante au dessin qui vient de faire perdre le joueur pour la rajouter à celle qu'il avait déjà devant lui. La case violette permet d'avancer jusqu'à la première case devant le joueur en tête. Ah cool, je passe devant... Allez viens cocotte. Oh là là, mais j'ai tapé 4 fois. Oh là là. 4. Allez vas-y, non ça peut passer. Ça veut dire que c'est moi. Ah. Oui, ça veut dire que... Pardon, excuse-moi. Eh ben dis donc. Donne-moi le skate. Et ben non, t'avances là, c'est bon. Ah je suis là. Ouais, c'est bon. À toi, Marie. Ah, mais c'est des cases. Oh. Oui, d'accord. C'est Marie, elle va se faire bleu. Bleu. Marie, t'es jaune. Ah, tu l'as. J'ai le fromage. Ouh, Seb, ça pue. Ça pue. Oh. Rouge, Seb. Oh là là. T'as pas la carte, et ben oui, elle t'a volé, Marie. Elle a volé. Hé, 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 t'agresses pas, et attention. Compensation. Prends la carte correspondant au dessin qui vient de te faire perdre et rajoute-la au tien. Et voilà. À Lydie. Et à moi. Jaune. Lydie. Ah, super. Tu l'as pas ? Non. Quoi ? Ça paye pas. La case noire indique qu'il est possible de prendre n'importe quelle carte à l'un de ses adversaires. Celui qui atteint le gâteau au chocolat le premier sans réveiller papa remporte la partie. On va faiblir celle qui est devant. Non mais laisse la stratégie, Seb. Ça change rien, moi je suis en ligne de mire. Ouais, elles sont toutes passées, les siennes. Il faut qu'il voit. Non, je vais prendre. Les cornichons. Attends, regarde.
L'esprit, ah ouais, je les ai passés. Donc sur le bleu, tu passes la main. Et tu l'as. Et je l'ai. Bravo. Je suis au milieu, je crois. On lance. Par contre, là, faut que je fasse un rouge direct, hein, puisque là, 4 ouais. et 3. La noire. Le skateboard. Tu voles une carte. Allez, on sait. Tiens, le tissu. Très bien. Ah bah, on le sol, là, je suis vieux, t'as pas vraiment. Mais il se passe quoi après? Et comment tu fais pour arriver dans le frigo là du coup là? Bah t'as gagné alors, t'as fait rouge. J'ai fait rouge et j'ai appuyé deux fois. Ah bah t'as gagné. T'as pas fait faut rouge. Faut pas qu'il fasse jaune. Bah non, c'est une flèche. T'as pas fait rouge. Si. Il a fait deux fois, c'est pas rouge. Il a fait violet, ah, il est pas rouge. Si vous êtes intéressé par Réveil pas papa, nous vous mettons les liens utiles en dessous de la vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager nos démos et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La discrétion sera donc de mise afin de contourner les ex. Oui. Ah. Le co. Non, c'est bon? Non. Pas terrible. Toujours pas, non. Chacune de ces cartes correspond à une cavité. Je suis comme avec Marie. C'était une, hein, toujours pas. Hein. C'est qui le chef? C'est qui le patron? C'est qui le patron?